Grr, arg. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV, nous sommes sur Séries à Vendre, la partie de ma chaîne sur laquelle je parle des séries télé actuelles comme passées, et aujourd'hui nous allons parler de la série Angel. On y va. Alors contrairement à d'habitude, la vidéo va être un petit peu particulière parce qu'elle va être en trois parties. D'habitude il y en a deux, une partie sans spoiler dans laquelle je présente la série et la deuxième partie je fais avec les spoilers, avec ceux qui ont déjà vu la série, sur laquelle je reviens sur les meilleurs moments de la série, les moments qui m'ont marqué, les moments tristes, les moments drôles, etc. Là je vais intégrer une deuxième partie entre les deux qui est réservée aux fans de Buffy, et il y en a beaucoup, qui ne sont pas passés à Angel ou qui sont passés à côté d'Angel ou qui ne l'ont pas regardé en entier ou qui ne se sont jamais décidés à y aller pour d'obscures raisons que je vais expliquer dans cette deuxième partie qui sera la plus étoffée. Et je fais partie de ces gens-là parce que j'ai mis pas mal d'années à regarder Angel dans son intégralité, parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, surtout en France, par rapport à la diffusion de cette série, qui fait que certains fans de Buffy l'ont raté à l'occasion, et ce qu'ils en ont vu de près ou de loin, sans vraiment la regarder assidûment, leur paraissait complètement aberrant. Donc dans cette deuxième partie, je vais vraiment parler de ce climat très sceptique autour d'Angel, de la part des fans de Buffy, alors qu'Angel est un complément, c'est même une prolongation de l'univers, c'est même un peu dur à définir, car c'est à la fois complémentaire, c'est à la fois différent, et c'est aussi à la fois la suite, parce que la particularité d'Angel, c'est qu'elle va continuer d'une saison après la fin de Buffy. Les deux séries se suivant en continu, se complétant. À partir de la saison 4 de Buffy, il y a la saison 1 d'Angel, saison 5 de Buffy, saison 2 d'Angel, saison 6 de Buffy, saison 3 d'Angel, saison 7 de Buffy, saison 4 d'Angel, et la saison 5 d'Angel est toute seule, parce que Buffy s'est terminée entre 2002 et 2003, alors qu'Angel a continué une année en solo. Sons, yes. Well, perhaps they don't have the same effect on vampires. Hey, watch it. Hey, fascinating. I'm not on fire. Can everybody just notice how much fire I'm not on? I'll get him. Ce qui fait d'ailleurs qu'une majorité des fans de Buffy n'ont pas vu ce qui se passe après Buffy, parce qu'ils ignorent que, par exemple, Spike continue dans Angel après la fin qu'il a dans Buffy. Il y en a qui le découvrent encore aujourd'hui en 2021. It's just not fair. Fair? It almost killed me. I spent 100 years trying to come to terms with infinite remorse. You spent 3 weeks moaning in a basement and then you were fine. What's fair about that? Mais ça, on en parle après. Commençons par la première partie, no spoil, pour ceux qui n'ont jamais vu Angel, ni Buffy d'ailleurs, qui ne savent pas du tout ce que c'est et qui hésiteraient à regarder parce qu'ils ont Disney Plus à la maison, de quoi parle Angel et à qui s'adresse cette série. On y va. Let's get to work. Alors Angel, c'est une série télévisée de 5 saisons, qui est une série dérivée de Buffy contre les vampires, et qui raconte comment Angel, un vampire de plus de 200 ans doté d'une âme, suite à une malédiction qu'il a reçue, est en quête de rédemption en aidant son prochain après près de 140 années à semer la terreur et la mort dans toute l'Europe. Son histoire commence dans Buffy, où il va épauler la tueuse de vampires pour l'aider à atteindre sa mission. Puis quand il va quitter Buffy pour les raisons que l'on sait dans Buffy, il va se lancer vraiment dans une carrière solo à Los Angeles, pas très loin de Sunnydale où il a vécu avec Buffy, pour aider tous ceux qu'il va croiser. Et il sera pour ça aidé de Cordelia, un autre personnage de Buffy qui quitte Sunnydale pour d'autres raisons, elle veut devenir actrice hollywoodienne. Il sera également aidé dans un premier temps par Doyle, un personnage démoniaque qui a des visions de gens en détresse, donc ça va être son informateur, disons. Et puis plus tard, Wesley, un autre personnage de la saison 3 de Buffy, un observateur raté, qui va lui aussi chercher sa rédemption
et va s'allier à Angel et Cordelia. Et ce qui est marrant, c'est que ces trois personnages dans Buffy, quand on les voit ensemble de Buffy, ils ont rien en commun, ils ont pas de feeling personnel. Wesley et Angel, ils ont des rapports très froids. Angel et Cordelia, à un moment, Cordelia va draguer Angel plus ou moins parce qu'elle va le trouver séduisant, et va y avoir une compétition entre Cordelia et Buffy dans le début de la série. Mais sinon, Angel et Cordelia n'ont rien en commun, ils ont pas de feeling, ils ont pas d'amitié. Et c'est presque les rebuts de Sunnydale qui vont du coup s'allier et se trouver un sens, un but à leur vie dans Angel. Et ensemble, ils vont fonder un cabinet de détectives privés qui sont spécialisés dans la lutte contre le paranormal et dans les affaires paranormales en général. Et ils lutteront principalement contre un cabinet d'avocats international mais maléfique, Wolfram et Hart, sera l'adversaire d'Angel durant l'ensemble des 5 saisons. Ce qui, par rapport à Buffy, est différent, puisque dans Buffy, c'est souvent une saison, un grand méchant. Là, on a des grands méchants dans Angel dans chaque saison, hein. Et on a aussi au-dessus Wolfram et Hart qui parfois va sponsoriser les méchants d'Angel ou parfois va aider Angel lorsque leurs intérêts seront communs, parce que la menace du grand méchant de la saison est encore plus dangereuse et gêne les intérêts de Wolfram et Hart, ce qui fait que Angel va souvent devoir pactiser avec l'ennemi pour essayer d'avancer ou dans son propre intérêt. Les frontières sont beaucoup plus floues entre mal et bien que dans Buffy. Déjà que dans Buffy, c'était déjà pas clair, et c'est ce qui fait que Buffy est une grande série. Mais dans Angel, Angel va souvent se salir beaucoup plus les mains que Buffy le ferait en tant qu'héroïne. Là où Buffy était une série métaphorique, où chaque démon était là pour évoquer un trouble de l'adolescence, pour montrer le passage de l'adolescence à l'âge adulte, dans une petite ville de Californie, cette petite ville dont on a du mal à percevoir la taille, qui tantôt est une ville de banlieue tranquille, puis tantôt elle a une fac, puis elle a un port, donc c'est une ville qui se dessine en fonction des besoins du scénario de Buffy. Tout ça pourquoi ? Pour que tu aies l'impression que Sunnydale, c'est un peu le monde de ces adolescents qu'on va suivre. Parce que quand t'es ado, la ville où tu as grandi, où tu es né même, c'est souvent la ville que tu considères comme étant chez toi, ou la plus grande ville du monde, ou la plus belle ville du monde, ça dépend où t'as vécu, hein. Mais du coup, Sunnydale, quand tu regardes Buffy et que t'en sors jamais, t'as vraiment l'impression que toute la vie est dans Sunnydale, que le monde derrière qui est à côté, alors il t'attend évidemment, c'est un peu le message de la série, mais Sunnydale t'en protège paradoxalement. Alors qu'Angel se passe à Los Angeles. Pas loin de Sunnydale, encore une fois, peut-être à 2-3 heures de bus ou de train. C'est une très grande ville, c'est même une mégalopole. C'est un terrain de jeu immense pour Angel, un terrain de jeu en proie aux guerres de gangs, par exemple. Parce que dans Buffy, il faut combien de saisons pour voir un flingue ? 6. La fin de la 6e, avec la scène que l'on connaît tous et que l'on craint tous à chaque fois qu'on se revisionne la série. Si on met de côté Adam et son bras mécanique dans la saison 4, sinon il n'y a pas d'armes à feu dans Buffy, ou très peu. Sauf pour chasser le loup-garou, et encore c'est des fléchettes. C'est très peu exposé les armes à feu. Alors que dans Angel, tu as des guerres de gangs partout, et il est pas rare que Wesley, les personnages de l'équipe d'Angel, aient des flingues et se tirent dessus, et que Angel prenne des balles. C'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus urbain, c'est beaucoup plus malfamé, et tu mets beaucoup plus de temps à en faire le tour. Ok. This is because of going through the portal, right? No, it always looks like that. I don't get it. Well, the host knows as well. We need to ascertain. No, I mean, why didn't anybody tell me about this? It's... You look good. You're not just saying. Et ce qui fait de la particularité d'Angel par rapport à Buffy, c'est que là où dans Buffy les démons sont cachés, sont sous terre, parce qu'ils sont pas là officiellement, les habitants ne les voient pas, parce que s'ils les voyaient, ce serait la guerre civile. Dans Angel, les démons sont intégrés à la société. Ils font partie de la société. The devil. Oh, come on, Cordy. You're being a little overdramatic. I gotta go. Everything's in place. I'll drop the paperwork. Good, great. Ils sont pas cachés, ils ont des commerces, ils ont pignon sur rue, que ce soit chez Wolfram et Hart, ils sont parfois clients des avocats que l'on va voir, Lila et Lindsay, qui sont les deux avocats principaux de Wolfram et Hart, qui tantôt seront des adversaires d'Angel, tantôt des alliés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction des événements. Mais il y a énormément aussi de gentils démons dans Angel. Je pense par exemple à Lorne, qui tient un cabinet de karaoké très réputé, et tout le monde voit Lorne avec ses cornes rouges et sa tête verte, et personne ne s'en étonne. Dans Angel, tu as cette impression permanente. Tu as l'univers de Buffy qui est vraiment étiré jusqu'au maximum. Là où dans Buffy, c'était atypique, dans Angel, c'est le standard. Time goes by, Will. Ok, good. Wagons West. See you guys. Willow. Tell Buffy you said hi. Good. Thanks. Yeah, no tears, big guy. No, I'm good. Angel, c'est vraiment une série d'enquête. C'est une série un peu à la X-Files, mélangée avec du Supernatural, et puis aussi Buffy, évidemment. Alors, Supernatural, la différence, c'est que les frères Winchester, ils voyagent tout le temps. Angel et son équipe ont toujours un QG qui va évoluer, qui va s'agrandir au fur et à mesure de la série. Donc, il y a un point central,
comme dans Sunnydale et Buffy avec la bibliothèque ou la boutique de magie par exemple. Donc c'est un mélange d'enquête, d'action, de combat, parce que Angel et Buffy ont ça en commun, c'est qu'il y a tout le temps dans tous les épisodes des combats, et des combats super bien chorégraphiés. Je suis pas sûr d'avoir déjà vu une autre série télé à part Buffy et Angel qui te présente des combats pareils aussi bien foutus, même si aujourd'hui en HD tu te rends compte évidemment qu'ils sont tous doublés et ça se voit beaucoup plus aujourd'hui en HD qu'à l'époque quand tu regardais ça sur nos télé cathodiques. Donc il faut pardonner ça si on découvre ça aujourd'hui en 2021 et qu'on regarde soit Buffy sur Teva, soit Angel sur Disney+ en HD. Oui, on voit que c'est pas les mêmes, mais ça se voyait pas du tout à l'époque. Donc enquête, action, combat et humour, parce que c'est très drôle Angel. Et là je parle un peu, j'anticipe la deuxième partie de la vidéo à ceux qui connaissent pas Angel mais qui sont fans de Buffy. Angel, c'est tout aussi drôle que Buffy, voire encore plus drôle. Looks good. Hop on board, gorgeous. You'll pay for this. Who had the book? Wesley? No, no, I didn't. Yes, you did. Whoa, ho. Don't drive too fast, you know. A lot of cops out there. Et c'est pas quelque chose que tu peux anticiper, c'est pas quelque chose que tu peux imaginer quand tu ne connais que Buffy et que tu commences à regarder Angel. Parce que la saison 1 de Angel est problématique, j'en parle juste après dans 30 secondes. Mais Angel, c'est aussi drôle, c'est aussi flippant, c'est aussi émouvant que Buffy, voire parfois plus. Et ça me fait venir à ma deuxième partie, dédiée aux fans purs et durs de Buffy qui n'ont jamais sauté le pas, et j'en faisais partie, donc je vais vous raconter un peu mon histoire. Mais si j'avais un conseil à donner à ceux qui n'ont pas vu Angel ni Buffy et qui veulent regarder que Angel indépendamment parce qu'ils l'ont vu sur Disney+, et qu'ils aiment bien David Boreanaz, ça me paraît difficile quand même à regarder si t'as pas vu Buffy avant, parce que l'intérêt réside quand même de voir comment Angel, un personnage fade, ennuyeux, chiant, triste à mourir dans Buffy, a une vie et a une personnalité bien plus attachante quand il s'éloigne de sa belle et qu'il s'éloigne de la série d'origine pour faire son propre show. Et c'est ce que je développe dans la deuxième partie maintenant avec vous, mais retenez juste que la saison 1 d'Angel ne représente pas la série, ne représente pas la qualité de la série. La saison 1, c'est la moins bonne. C'est vraiment une série qui s'est cherchée au début, avec des épisodes indépendants, qui savait pas trop où elle allait, et c'est vraiment la saison 2 qui lance la série, avec certains épisodes de la saison 1 qu'il faut avoir vu, mais une partie seulement, et après on peut passer directement à la 2. Tout comme Buffy d'ailleurs, où la saison 1 est aussi la moins bonne. C'est tout ce que j'ai à dire sur Angel pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Voilà, enquête, action, combat, humour, amour, etc. C'est vraiment un packaging de plein d'émotions, et si vous aimez bien le paranormal et que vous aimez bien les enquêtes surnaturelles, Angel, ça peut valoir le coup. Mais on a eu des séries par la suite comme Supernatural qui sont allées au-delà, ou qui sont plus longues, ou qui sont plus récentes. Donc est-ce que ça vaut le coup en 2021 de découvrir Angel si tu ne connais pas Buffy? Je ne pense pas.